Parti. Le Japon est, démographiquement parlant, le plus vieux pays du monde. Bon, il faudrait vérifier, bien sûr, si tous les centenaires qui sont annoncés existent vraiment ou s'ils servent juste à la famille pour toucher une pension. Mais imaginons que c'est vrai. Toujours est-il que le taux de natalité est le plus bas au monde. Et du coup, on peut se poser la question, que vont devenir les personnes âgées? Et on voit que la gestion des personnes âgées, c'est un peu comme la gestion des déchets. C'est quelque chose de très simple au Japon. On refuse de recevoir des étrangers pour servir ces vieillards. On refuse de trop les aider en facilitant leur vie. Et du coup, on invente des robots pour les garder. Et donc, on a une sorte de gestion de conservation de masse des personnes âgées.